Salut à toi, ami des lobbies. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres, car je vais te parler de notre plus gros coup, le casse du siècle, les produits phytosanitaires. C'est de loin notre plus belle réussite. Rends-toi compte, ce que la nature fait très bien toute seule depuis des millions d'années, ce que l'homme fait très bien lui-même depuis les débuts de l'agriculture, il y a 11 000 ans, nous avons réussi à faire avaler en moins d'un siècle que tout cela était maintenant impossible sans nous. C'est un coup de maître, un vrai miracle. Nous avons privatisé la vie. Je t'invite à découvrir avec moi les secrets d'un business plan en or. Si je veux te vendre un produit, alors que jusqu'ici tu t'en passais très bien, il faut précisément te faire croire que tu en as absolument besoin. Et pour cela, il a fallu démanteler méthodiquement l'agriculture traditionnelle. Pour commencer, nous avons convaincu les agriculteurs de remplacer ceci par ceci, de la monoculture. Une seule espèce végétale est cultivée. Elle a été soigneusement sélectionnée non pas pour ses qualités nutritives, mais pour son rendement et sa capacité à être conservée et transportée. Dans ces conditions, la plante s'affaiblit. Ajoutez à cela le labour qui rend le sol inerte, les engrais chimiques qui nourrissent directement la plante et non la terre, la plante s'affaiblit encore et devient malade. Il faut alors l'arroser de pesticides. Mais les parasites développent des résistances aux pesticides. Il faut alors toujours en acheter de nouveaux. Ensuite, ce sont les agriculteurs et les consommateurs qui s'affaiblissent aussi et tombent malades. Il faut alors leur donner des médicaments. Et le même laboratoire qui fabrique ça fabrique aussi... Non. Les produits phytosanitaires ne sont pas dangereux pour la santé. Ils sont juste... Voilà. Il n'est pas recommandé d'ingérer le produit, de le toucher, de le respirer, de le regarder, d'avoir des enfants dans les 10 ans qui suivent la pulvérisation. Que ce matin, que le collège Jorissen de Drancy, en Seine-Saint-Denis, tourne au ralenti. 50% des enseignants sont en grève, les parents les soutiennent, une partie des élèves aussi, tous remontés, usés par une violence devenue quasi quotidienne, Caroline Philippe. Tous les matins, sur le chemin du collège, Rose, élève en classe de 4e, a la boule au ventre. On a peur, on se demande ce qui va se passer. On a eu plusieurs départs de feu, on a beaucoup de bagarres, on a un élève qui s'est fait tordre le doigt aussi. Et même pour notre avenir, on se demande si on va réussir, parce que nous, on va au collège pour travailler, pour avoir des bonnes notes et pour faire le métier qu'on veut plus tard. Donc on n'est pas contre la mairie, contre la ville, contre la France comme certains le prétendent, mais on est là pour parler des faits. Et les faits, effectivement, ils vont des fois à l'encontre de ce qu'on nous rapporte. Et ce qu'on nous rapporte, c'est qu'on est ici au pays des droits de l'homme. Ce qu'on nous rapporte, c'est qu'on est au pays de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Mais la réalité, elle est tout autre, puisque vous voyez ici
On est à Drancy et vous voyez comment dire, des personnes qui sont en fait obligées de dormir à même un parking, donc sans sanitaire, sans eau, dans le froid. Il y a des femmes, des enfants, il y a aussi des femmes enceintes, il y a des hommes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement dans les médias des migrants. Donc vous connaissez toute l'actualité autour de la politique migratoire. Nous, on appelle ça des expatriés puisque ce terme, il vaut pour les Blancs. Où ils se sont restés? À Drancy. D'accord. À Avenue Marceau. Avenue Marceau, c'était un ancien, comment on appelle ça, entrepôt ou quoi de la SNCF. Un ancien entrepôt de la SNCF. En fait, ce qui s'est passé, on pourra corriger les éléments après, mais c'est que cet ancien entrepôt, à la base, il était désaffecté. Donc, comme la loi le dit, quand des personnes sont en situation de précarité en termes d'hébergement, elles peuvent comment dire, occuper les lieux puisqu'ils ne bénéficient à personne. Mais cet entrepôt a été racheté récemment par l'État français, je crois, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Et depuis, la police est venue expulser donc ces gens et les a mis dehors sans aucune alternative en termes de logement. Donc des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées, moins âgées et tout ce qui s'ensuit, et tous noirs, hein, toutes noires. Hein. Donc voilà ce qu'il en est. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que la réalité, elle est simple. Pendant 2 ans, ces gens-là n'ont pas dérangé la ville de Drancy et elle s'accommodait parfaitement du fait qu'ils n'avaient pas de logement, que leur situation n'était pas régularisée, qu'ils pouvaient faire leurs courses. Pour certains, travailler parce que les situations administratives empêchent d'autres de travailler et tout ce qui s'ensuit. Donc pendant 2 ans, ils n'ont pas posé de problème. Mais d'un coup, quand on les jette dehors parce que au nom de l'argent, cet entrepôt a été racheté, il n'y a pas d'autre solution. Ils sont traités comme des pestiférés, comme des cafards, et voilà où on les loge. Donc on voit en direct dans un endroit sans eau, etc. Il faut savoir que c'est un parking, il y a des voitures, donc les voitures viennent se garer, les gaz de pot d'échappement. Il faut savoir que la nuit, il fait extrêmement froid, en dehors du confort où il n'y a pas du tout de confort et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, et ça fait combien de temps que vous avez atterri vraiment dans ce parking? 4 jours. 4 jours, hein. 4 jours. Donc voilà, parce qu'effectivement, il faut aussi entendre qu'il y a eu un arrêté, je crois, au niveau de la mairie, qui laisse entendre qu'ils ont... Préfectoral. En tout cas, un arrêt, on n'est pas des techniciens des communications administratives ou liées à l'État, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de rester aux alentours de la mairie, etc. Sans doute parce qu'on estime que leur image salit trop les choses.